Allez, il lui aura fallu à peine plus de 50 minutes de jeu et deux petits bouts de match pour reconquérir le public marseillais. Après une fracture du pied lors de la 9e journée contre 3, personne ne s'attendait à un retour aussi rapide de l'attaquant olympien, pas même le principal intéressé. Honnêtement, je pensais pas avoir autant de temps de jeu, mais voilà, le coach a fait un choix, ils m'ont demandé si je me sentais capable. Je pense qu'avec avec beaucoup de détermination et d'envie, je me sentais capable. Et ça a payé. Avec son superbe but contre Toulouse, c'est bien l'homme qui rapporte des points à l'OM qui est de retour. Car s'il n'a marqué que 6 buts en 11 rencontres, ces mêmes 6 buts ont rapporté 13 points à l'équipe. En pleine confiance, Dédé ne compte pas en rester là. 6 buts, j'en veux encore plus. Donc j'espère que en deuxième partie de saison, je vais être sur le même tempo. Ses coéquipiers aussi l'espèrent, car quand Gignac joue, l'OM marque 2 fois plus de buts. Pour Barton, c'est un petit peu le Zlatan de Marseille, même si selon APG, il n'y a pas de comparaison possible. Il n'y a pas de comparaison déjà, mais il est incroyable. Franchement, j'ai pas l'habitude de faire le lèche-botte, d'ailleurs je le fais pas, mais bon, c'est un joueur en norme, c'est tout. Voilà. C'est assez là, non? Une petite pointe d'ironie donc pour parler du rival parisien, mais comme le Suédois dans son club, Dédé est bien le joueur qui fait la différence à l'OM. Avec l'enchaînement des matchs et une nouvelle préparation hivernale, ses coéquipiers attendent un Gignac encore plus affûté pour 2013.